Ah là 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 là. C'est là, ça me paraît pour le coup, je peux toujours tenter avec un skink. Ah non, je tombe à 3 contre à 3 quoi, 3 dés contre moi. C'est pas une bonne idée. Là, ouais. Oh là 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 là! Heureusement qu'il a un nez pour parer ce coup-là! Ouais, sinon il l'aurait pris en plein visage! Là j'ai un 2D, là j'ai encore 2D contre moi. Bon, je vais essayer de le tenter. 3D contre moi, c'est-à-dire qu'il a. Bon, là ça veut dire qu'il aura le choix entre 3D. Et surtout si je fais vraiment un mauvais jet, c'est-à-dire que je peux tomber sur 3 crânes pour lui, ou alors au contraire 3 flashs pour moi. Oh, regardez ça, de petites elfettes qui Ah, posent des sandwichs relance. MOOC dans les gradins. Je vous laisse 5 minutes, je vais aller Ah, chercher. voilà. Vous aimez les Je sandwichs suis ou tombé maintenant sur les un mauvais autres? jet de Mais les dés. elfettes. Et le truc, c'est que là, actuellement, il a des boulevards. Il a passé les épaules et parvient à semer son adversaire. Voilà, il Beau avait un geste, boulevard. quelle agilité. L'autre en reste à Oh! l'avantage Bon, bah, il a pour mis un toi. turnover. Il a mis un touchdown. Voilà. Allez, Donc, on pour est la à 2-1. Bon, victoire! ça va, je le À mène toute encore. épreuve! Et Allez, c'est dépêche-toi! le dernier tour, donc ça Oh, va. pas mal! Ils réduisent un peu l'écart! Ouais, un touchdown qui fait du bien! Un touchdown qui fait du bien. Bah oui, à 2-1, c'est vrai que ça fait toujours du bien d'avoir. Ah, j'ai 2 blessés et 1 sonné. Oh là 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 là! Ah, regardez-moi ça, 2 blessés, 1 sonné. Et le sonné qui se lève. Ça me fait 3 skinks, heureusement, j'en ai encore 3 en rechange. Ça aide. Donc lui. Ah, son ogre se relève! Non! Zut. Les humains sont les plus polyvalents et c'est ce qui en fait par définition l'équipe la plus chiante. Avec un joueur de cette qualité, le match risque de prendre une nouvelle tournure. Skink en force, mais là, skink en force, ça va me porter problème. Ah, si seulement j'avais eu mon Croxigore, ça m'aurait aidé. J'ai que 4 lances sur 7 et lui, il me reste encore 5. Ok, bon, bah espérons que durant le coup d'envoi, je puisse avoir des relances. La balle est en jeu. Mais j'ai pas mis de personnage. Voilà, une relance. Ouais, il m'a tiré la balle là. Normalement, voilà, va aller jusqu'ici. Je vais pas y toucher. Et je vais d'abord foutre en l'air ce foutu. Bon, déjà, on va faire ça. Tu vas te repousser, toi. Ici. Ouais. Normalement, j'ai dû monter à. Non, toujours qu'à 1. Bon. Parfait. Tu vas te repousser là. Oui. Voilà, châtaigne, bien. La châtaigne augmente la chance de blessure, hein, tout simplement. Voilà, une commotion. Et là, je monte à 2D pour l'ogre. Ça. Voilà. Oui. Voilà, bien, c'est bien ça. Allez, vous savez quoi? On va peut-être en rajouter un petit peu. On va aller le blesser. Pof, Ah, voilà. l'histoire du Blood Bowl est jonchée d'équipes qui, par manque d'argent, ont disparu corps et âme. C'est normal, c'est un sport très coûteux. Le dopage et la corruption Je vais font essayer de une tenter véritable quelque chose de fortune. risqué. Pas le blitz, hein. C'est. Allez, 2 crânes, faut pas que j'utilise, donc je fais la relance. Voilà, ça permet de repousser. Je vais aller là. Oui. Toi, tu vas aller ici. Quelque chose de risqué. C'était limite. On va aller ici. Ça va être serré. Si ça passe, je suis content. Il y a des chances que ça passe pas. Pom 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 pom. On va mettre ça là pour la zone de tâche sur les deux. Et toi, tu vas venir pom pom ici. Normalement, il passe sans problème. Parce qu'on est trois en plus. Voilà. Oh non! Il aurait pas dû arriver. Ça aurait pas dû arriver. Ça aurait pas dû arriver. Bon, pas La première grave. mi-temps arrive à son terme. Espérons que la Pas deuxième nous offre un peu grave. En plus fait, ce que j'allais faire, c'est avec mon Avec une skink attaque aussi récupérer la balle, constante dans la le lancer à celui qui est à l'autre bout. On sait jamais, ça aurait pu passer, pardon. Ah cool, le skink revient. Ah, ce jeu, franchement, j'adore ce jeu. C'est bien l'un des rares jeux de sport que j'adore. Bon, je joue quand même au jeu style NBA 2K Game ou un truc comme ça, mais j'en suis pas spécialement fan. Alors que là, ce jeu-là, j'adore, mais tout court, quoi. Donc ça, on va le mettre lui ici. Tac, 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 tac. Ouais, c'est ça. Voilà. Ça va me permettre, quand il va lancer la balle, de pouvoir facilement la récupérer et la lancer à quelqu'un d'autre. Comme vous voyez, j'ai plus que 2
deux remplaçants malheureusement, suite du fait qu'il m'en ait blessé deux, voilà, ici, blessé deux, et que je n'ai pas de, comment ça s'appelle, pas mon Croxigore. Le chat qui fait des siennes. Bon, alors, validé. On ne voit pas souvent les paladins sur le terrain. Ouais. Pour nos spectateurs qui ne le sauraient pas, les paladins espèrent montrer au monde une meilleure manière de jouer en suivant des stratégies honnêtes. C'est bien de ne pas trop les voir, en fin de compte. Ouais. Comme par hasard, il m'a lancé la balle jusqu'ici. Donc, alors là, il y a eu un event d'engagement qui était que les spectateurs enragés balançaient des pierres sur ce perso-là, Peter Van Gullet, et il est donc à terre, et c'est bien, puisqu'il va peut-être pouvoir se relever au prochain tour, mais c'est, bon, c'est pas trop grave. Toc. Bon, ben voilà. Voilà, lutte, ça fait ça. Je voulais vous le montrer. Hein. Donc, toc. Voilà. Toc. Non. Ça alors, j'aime autant vous dire, ça fait parfait. Très mal. Là, et oui. Ah, toujours pas blessé. N'essayez pas de faire ça à la maison, hein. Ce sont des joueurs professionnels. Ouais, enfin. Que dalle, rien du tout. Ah, c'est un bel Utsurigoshi. Qu'est-ce que c'est? Bon, il a bien titillé la tête. Ah. Non. Toi, tu vas me blesser celui-là. Je vais refaire ma tactique tout à l'heure qui n'est pas passée, hein, parce que j'ai pas eu le temps. Là, je vais essayer de la refaire, parce que là, à mon avis, il y a des chances qu'elle passe. 22 corps suivis d'un uppercut, c'est bien fait. Voilà. Si vous le dites, en tout cas, ça doit faire mal. Ça va être pour aller là, ensuite la ramener ici. Ah, je ne pourrais pas. Je ne pourrais pas. Toi, non, celle-là est plus proche. Donc, ce que je vais faire, je vais tenter une feinte en espérant que l'ordinateur se fasse prendre. Donc, grâce à lui, en fait, lui, ça va devenir une feinte. Et celui-là. Voilà. Bon, faut pas oublier, il a Minus. Minus, je crois que ça rajoute un jet de dé ou un truc comme ça. Toi, tu vas aller là. Bon, bon, bon. On va aller récupérer la balle. Donc, j'ai plus 1, en fait. Ça veut dire qu'il faut juste que je fasse un 1 pour récupérer la balle avec cela. Donc, c'est très rapide, très facile. Voilà. Je peux lancer la balle sur lui, mais il faut un dé de plus 4. Je peux le lancer sur lui pour un plus 3, mais... Le faire à lui, c'est risqué à cause de lui. Donc, fin de tour. On va rester arrêté à là. Donc là, j'ai deux skins qui sont prêts à mettre donc un touchdown. Donc, j'ai plus de chances encore de marquer là qu'autre chose. Donc lui, il a réussi à faire un jet d'esquive, balèze. Mais quoi qu'il arrive, il m'arrange. Je vais le faire arriver ici. Et je vais balancer à lui. Comme ça, au moins. Ouais, c'est ça, ça va être ça, ouais. Ah, c'est ça, donc ils ont bien compté la feinte, c'est cool, ça m'arrange. Ah bah oui! Ah bah là oui, bah c'est même sûr et certain, c'est l'hôtel Jean démarqué là. Mais oui, mais oui, mais là, oui, mais ah, oui, je dis oui! Voilà, je dis un grand oui! Ouais. Ah, les petits lâches. Il est bon d'entendre le doux son. Donc, on va faire ça tout de suite, hein. Ça sert à rien d'attendre. Ah oui, c'était sûr. Il a scotché son adversaire sur place! Faut faire un 3. La précision et réception. Voilà, bon bah voilà, le troisième touchdown qui passe. Vous l'aurez remarqué, tout se base sur les skinks pour moi, avec les Saurus qui servent de garde du corps. Donc voilà, ça fait du 3-1. Voilà, voilà. Donc la vidéo, je pense qu'elle va faire pas loin des 40 minutes, voire peut-être plus. Faut savoir qu'en multijoueur, vous verrez si vous allez voir sur le let's play de Shiva. En multijoueur, certains matchs peuvent durer jusqu'à 2 heures. Tout simplement hallucinant, parce que voilà, quand vous la jouez tactique avec votre pote, vous pouvez prendre du temps vraiment important, juste ça. Il y a quand même 16 tours, 16 tours à 8 minutes, ou plus, hein, c'est en fonction du nombre de temps que vous mettez. C'était eux. C'est cela, oui. C'est cela, oui. Donc faut savoir que oui, là, vous voyez, il y a... Attends, ça fait valider. Il y a... il faut que je balance la balle. On va balancer la balle au milieu. La balle est expulsée dans les airs. Le match est lancé. Voilà. Alors, ah mince. Le ballon a volé volé très haut, ce qui fait qu'il faut pouvoir mettre un personnage à l'emplacement de la balle. C'est voilà, vous voyez. Donc on a 6 minutes. Donc vous faites 16 x 6. Tout simplement, ça donne vraiment quelque chose d'important. Ah, il me l'a. Ah, je déteste ça. Pensez-vous qu'il va se relever après le coup qu'il a pris, Jim? Ouais, 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 il va se relever, t'inquiète pas. Du genre à rester au sol. Avec un peu de chance, si personne ne vient au milieu, lui il va passer là, puis là, puis là.
Avec un skin que je passerai au milieu, ça va être serré. Bon, de toute façon, j'ai 3 touchdowns, je sais que la partie est gagnée. En fait, ce que je pourrais faire, c'est temporiser là pour durant 6 tours. Mais ça serait vraiment laid, en fait, hein, tout simplement. Alors, j'ai un screenshot, je vous le mettrai. Une partie entre, avec mes nains contre des gobelins. Et vous verrez qu'à la fin, le match est illégal. Puisqu'il restait plus que 2 joueurs. Enfin, non, sur le screenshot, il y en aura 4. Mais il faut savoir que j'ai fait le match au maximum. Il restait 2 joueurs et demi à la fin. C'est vous dire à quel point je les ai décimés. Toc, un seul dé. En prendre toi, tu vas venir. Non, pas là. Attends, tu peux pas. Attends, tu peux pas passer par le haut? Si, voilà. Toc, voilà. Il semblerait que les hommes lézards soient sans doute les premiers pratiquants du Blood Bowl. Ouais, j'ai entendu ça récemment. Ça explique qu'ils soient aussi performants. Voilà, j'ai un jet de 3D, ça m'arrange. Il y en a au moins un qui est sorti. Et voilà. Voilà, commotion, bien. Viril, mais correct. Viril, mais correct. J'adore. Donc toi, tu vas pouvoir venir ici. Qu'est-ce que je fais en fait? Là, j'en ai pas parlé. Mais j'essaie d'arranger en sorte qu'il y ait des assistants. Vous voyez, regardez, j'ai plus une force, plus un de force. Donc là, en gros, je suis non pas à 6, mais à 8 de force. Donc lui, l'ogre en a 6, et moi j'en ai 6. Donc ouais, c'est ça, je suis à 8 force. Donc j'ai 2 dés. Voilà, c'est eu ça, ça m'arrange. Voilà, voilà. Pourquoi ça m'arrange? Parce que je vais pouvoir faire ça. Oui, Jim. Voilà, ça sert à rien, mais bon, c'est toujours fun. Voilà, tout va te mettre ici. Donc on refait bien évidemment. Tu te relèves. Vous vous souvenez, vous avez compris. Maintenant, la cage de la cage. On va encager la cage. Toc. Et donc par là. Ah si, merde, il va falloir que j'aille ici jusque là. Donc normalement, avec équilibre, c'est facile. Le mets le paquet, là, regardez ça. Voilà, sans problème. Oh, un dé. Vous voyez, j'ai un assistant là. Malheureusement, j'ai pas celui-là en compte, mais bon. Voilà. On fait une relance. Voilà, mieux. Viens ici, oui. Voilà. Et une commotion d'un skink. Ça fait plaisir. J'aime assimiler les hommes lézards aux raptors. Surtout les skinks qui font vraiment penser aux raptors. C'est exactement ça en fait. Hein. Si vous regardez, ce sont des raptors tels que dit dans l'histoire et non pas dans Jurassic Park. Hein. Alors la question du jour qui peut permettre à nos téléspectateurs de gagner un abonnement d'un an au magazine L'Epic est la suivante. Quel joueur a remporté avec les Reichland Rivers les Blood Bowl 85, 87, 91 et 99? Est-ce Griff Oberwald ou sa femme ou son futur fils? Oh, c'est vraiment facile. Ouais, d'autant plus que deux d'entre eux n'ont jamais touché le ballon. Voilà, c'est rien que pour le... Bon. Là, ça va être un petit peu con, mais rien que pour les commentateurs, je vous conseille de le faire. C'est assez fun. 3 assistanas. Ah putain, il a 2 dés de blocage. On fait une relance. Et bon, bah, tant pis. Alors là, comme vous voyez, je ne peux pas faire le blitz, malheureusement. Toi, tu vas aller là. Je sais, je rentre dans une autre date, mais pas de problème. Voilà, sans problème. Non, toi, tu vas juste te relever. Toi, tu vas aller là. Vous voyez, n'oubliez pas, hein, toujours la cage dans la cage. C'est mon petit truc. Je sais pas si c'est une tactique payante, hein, mais jusqu'à maintenant, j'ai pas eu de problème. Ça m'a juste. Au contraire, ça. J'ai jamais. Les chiens qui se battent dehors, désolé. Donc, j'ai jamais vraiment eu de problème avec ça. Hein. Donc je disais, j'ai jamais eu de problème avec ça, juste eu au contraire des matchs gagnés. Donc moi ça m'arrange. Après peut-être que certains ne joueraient pas comme ça. 3D toujours en contre, putain. C'est étrange que les hommes lézards ne gagnent pas plus de matchs. Ils sont des joueurs rapides, d'autres très forts. Ouais, mais on peut aussi se dire qu'ils ont des joueurs très faibles et d'autres incapables de ramasser une balle. Ouais, forcément, sous cet angle. On va se faire ce foutu ogre. Là! Malheureusement, j'ai un peu démoli ma cage. Non! Donc, désolé, dans la vidéo, malheureusement, il y aura souvent mes chiens qui gueulent. Désolé. Hein, c'est... Oh non, pas à l'extérieur! Ah, c'est des chaos, les autres et les humains, comme par hasard.
Bon, la partie est gagnée, mais ce sera pas une victoire écrasante. Comme là, il va pouvoir, voilà, il va pouvoir passer aisément. Ah, il va faire une passe. D'accord, le blitz contre qui? Ah, puis là, il y a un attroupement. Mais pas contre un skink. Quel punch! Notre ami doit avoir du central. Justement, son adversaire n'a jamais parlé de sa mère. Voilà, c'est de l'humour comme ça, c'est fun. Ah, je perds du 2D. Attendez. Oui. Là, c'est simple, j'ai essayé de faire, en sorte d'augmenter son jet de dés. Ah, attendez. Tac. Non, non, faut que je fasse 3 jets d'esquive. Ouais. Oui. Bon. Voilà un qui n'y reviendra pas de si voilà. Non oui. Il vient de se faire allonger comme une... Oh non, l'arbitre, tu abuses. Je t'ai corrompu. Bon, c'est un arbitre. L'arbitre, c'est un gobelin. Faut pas oublier. Faut savoir. Il est là. C'est un gobelin. Donc voilà. Quoi. Il se peut que la corruption ne marche pas. Voilà, j'en ai perdu une pour rien. Donc vraiment, il va faire une passe. Oh, non, il va faire carrément le tour. Tu m'as. Ah oh, mais il m'arrange là. Il m'arrange, ouais, il m'arrange même beaucoup. Je trouve ça bizarre. Voilà, donc toi, tu vas pouvoir aller là et là. L'esquive du skin qui fait plaisir. Oh là 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 là. Fin du match imminent. Ouais, 14-13, donc là, c'est le 14e. Oh, il reste donc 2 tours. Espérons que l'esquive en force passe. Elle est passée. Pom 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 pom. Là, là. Oui. Et maintenant, qu'est-ce qu'on fait? Eh ben, on va faire ma propre cage autour de son porteur de balles. Alors, Bob, dans un pareil cas, qu'est-ce qu'on vise en premier? Ah bah, les trucs utiles, comme les bras, les phalanges. En effet, c'est malin. Ça lui évite de pouvoir porter la balle. Non, c'est surtout que ça lui évite d'en riposter de suite. C'est pas bête, c'est pas bête. Voilà, on relève tout le monde et on fait ma propre cage. Donc non, là, c'est une version différente de la cage encagée. Là, cette fois-ci, c'est le porteur de balles dans votre cage. Ça peut être utile, croyez-moi. Plus utile qu'on pourrait le croire. Toc, on esquive. Voilà. Voilà, et... ça n'a rien fait, malheureusement. J'ai pas encore compris, comme je le disais. Je note une flagrante absence de fair play. Mais non. Ah oui, je voulais pas montrer. Mais l'ordinateur vous parle. L'ordinateur vous parle, ça donne des petites phrases à la con. Si jamais t'as besoin d'aide, t'hésites pas à demander. Hein. Tu dois être bien malheureux pour être aussi méchant. L'arbitre, ça doit être quand j'ai tapé au sol. Oups, déjà, je ne l'avais pas vu. Belle action, c'est pas sport. C'est vrai qu'on jouait sans les agressions. Je note une flagrante absence de fair play. Quand il perd et qu'il est mauvaise foi, il va vous sortir genre « Non, mais c'est mon petit frère qui jouait » ou « C'est pas juste, j'ai mon PC qui lag » ou trucs comme ça. Et c'est assez fun, franchement, voilà quoi. D'ailleurs, je suis sûrement l'un des nombreux fans à attendre Blood Bowl numéro 2, qui est censé sortir cette année, je crois, ou 2015. Il est miraculeusement passé au travers. Quel dommage pour le parfait, bon bah voilà, touchdown rajouté. Bon bah voilà, il y a un touchdown demi. Voilà, on fait ça là, oui. Tac, on met celui-là là-haut. Donc voilà le 4e touchdown ou le 3-0. Le joueur prend possession du ballon. Toc, on le met là. Et on lance. Précision, réception. Voilà. Ting. Donc voilà, c'est du 4-1 ou du 3-0. Oui, vous allez dire, mais non, mais tu déconnes ou quoi, c'est pas 3-0. C'est simple, je calcule d'une certaine façon. Une façon très logique d'ailleurs. Vous avez 4-1. Pour faire du 3-0, c'est simple, vous enlevez un de vos touchdown et vous enlevez le touchdown de l'ennemi. Donc forcément, ça fait un 3-0. En fait, vous équilibrez. 4-1, c'est 3-0. Ou 5-2, vous voyez. C'est très simple. Donc voilà, donc j'ai fait du 3 touchdown à 0. 4 touchdown à 1, donc voilà. Allez, pour le dernier... Ah, puis j'ai 15 Saurus, quoi. Oh là là, j'ai combien de blessés? Lui, il en a 4, ok. Moi, j'en ai... Ah, j'en ai 2, mais un de sortie. Ah là 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 là. J'ai des morts.
Je crois qu'il m'a... Je crois que j'ai... je dois avoir deux skins que mort, je crois. Ils ne viennent que pour regarder le match. Ah, ils ont raison. Si c'est juste pour regarder le match, autant en profiter devant Cabal Vision. En gros, ils viennent dire que le public, s'il vient, c'est pour agir. Donc, faire des fautes, attaquer les joueurs, tout comme ça. Si vous n'êtes pas là pour faire du grabuge, restez chez vous et regardez la télé. Ça, j'adore ça. Ça c'est, vous imaginez si... imaginez un peu si les vrais commentateurs disaient ça. Ça serait du gros n'importe quoi. Dis donc, la journée va être bruyante, hein, je suis désolé. Donc la vidéo, il y aura beaucoup de bruit de fond. Notamment mes chiens, je suis désolé. C'est rare qu'ils soient aussi agités. Donc désolé, ça sera... Si vous... J'essaierai d'arranger ça au montage, mais c'est pas sûr, parce que je suis pas encore très très doué pour ça. J'essaie de faire de mon mieux. Hein. Mais voilà. Puis bon, voilà, c'est un bruit de fond. Sans trop gravité. Garde, voilà. Garde, ça permet en fait de rajouter un jet de dés, je crois, il me semble. J'aimerais bien le blesser cet ogre en fait, pour être sincère. Une bien belle action. Comme on aimerait en voir plus souvent. Le public en... Oh, je te hais, arbitre. Bon, voilà, c'est gagné. C'est une lapidation. Donc voilà, il jouait son match et ça va être fini. Bon, allez, fini. Voilà. Cherchez pas. Là, c'est gagné. Du 4-1. C'est la fin du match. Vous voyez, 16-16. Chez les humains, on aurait averti trop tard les trois invités nains que ce n'était pas un verre de bière qu'on avait symboliquement installé devant leur pupitre. Pensez-vous qu'il va s'en relever après? Et voilà, fin du match. Oui, il n'est pas du genre à rester au sol. Victoire totale. Victoire totale. Un match intéressant avec pas mal d'action. Ouais, une bonne technique de part et d'autre du terrain avec une furieuse envie de gagner. Voilà la recette d'un bon match. Donc là, faut... trop faible pour avoir la moindre chance de résister à son adversaire. Ils se sont fait dominer physiquement tout au long du match. Une défaite tout à fait logique. Ils étaient vraiment trop nuls. Ils n'ont pas suffisamment contrôlé le ballon, ça leur a coûté le match. Eh ouais. Aïe, 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 avec un si bon joueur comme principal atout, l'amertume de cette défaite se fait sentir. De vrais conquérants ce soir. Ouais, ils ont réussi à envahir le camp adverse. Ah, le dopage est de nouveau d'actualité. Les matchs sont bien plus intenses grâce à ça. De toute ma carrière, j'ai jamais vu ça. Autant de cartons sortis lors d'un seul match. Ouais, pourtant, il n'y a rien eu de spécial. Donc voilà, donc ça c'est la fin de match. Je laisse toujours parler les commentateurs. Alors, comme vous voyez, donc il y a les statistiques de votre équipe et celles de l'ennemi. Comme vous voyez, regardez, sur la possession de balle, je n'ai pas eu tant que ça. J'ai eu que 7%, eux 78%. Par contre, occupation de mon terrain, je suis à 16%, eux, ils ont eu 93% de leur terrain. Et terrain adverse, je suis à 83%. Donc, en fait, l'occupation de terrain, c'est inversé. En revanche, vous voyez, je n'ai pas beaucoup de possession de balle et pourtant, je suis quand même celui-là qui a gagné. Score du match, 18 sur 20. C'est cool. Donc, statistiques des joueurs. Voilà, donc ça m'explique... Donc tous les joueurs, on va mettre que les miens. La Dragon Ball, voilà. J'ai pas eu de blessés, donc pas eu de mort, c'est cool. Donc j'ai un replay, hein. Donc voilà. Blessé. Bref. J'ai eu 3 blessés. Donc j'ai pas eu de mort, ce qui m'arrange. Eux, en revanche, a eu... Ah, 3, 4, 5, 6. 6 blessés, donc il a dû utiliser l'apothicaire à un moment. Le joueur du match, donc moi ça sera Mazadoum de l'Aube, qui a sûrement marqué un ou deux touchdowns, mais il est... Ah, il est blessé. Ah là là là, ça me... voyait, regardez, ça me perd, j'ai... Malus a tout léger de blessure subie par le joueur, hein. Et enfin, lui, ça sera Reikland Reverse. Ah non, ça c'est l'équipe, c'est Luigi Di Passela. Luigi Di Passela, pas mal, j'aime bien son nom. Donc voilà, sur ce, j'espère que vous aurez apprécié le match, que vous aurez apprécié le jeu. Sur ce, je vous dis à plus et à la prochaine tout le monde. Bye bye.